Nan, dezyen video sa, nan konsevle nan soupage toujou, sonje nan plan si pale pou yama de variable konstant, be ke nou te nan poumi video an, nou pa fwema pale de yo, nou te pou se pale de klas ki jan program yo, program C# yo ki nan yo strukture, nou fwema pale de sa, nou te pale de namespace ki se yon espace, ou be yon ki yon bibliothèque ki kapab kembe plusieurs classes. Et yon nan classe sa yo, suppose gen yon méthode, yon fonction ki rele main. Tout pa bezwen gen, son seul ki vo gen, se la ki vo gen nan pa komanse. Et puis sa, nan classe gen méthode main nan, se a partir de main nan ke nou pral rele l'autre classe yo, nan classe sa, classe allo monde. Ou yon rele méthode nan classe allo monde nan pou fè kèk travay avon nan. Sa son pounye fason pou ka utilize classe gen, plusieurs autres façons ke nou pral reko. Pour pouvoir utiliser classe, mais d'après ou après. Soit j'ai base langage, dans base tout langage, dans le livre que nous gagnons premièrement commentaire. Commentaire veut dire c'est des commentaires qu'on mettait pour vous-même et pour l'autre programmeur qui va travailler sur le projet. Ça, puis devant, vous mettez, par exemple, là, que la mettez commentaire. Commentaire, vous mettez avec un slash étoile et vous terminez par slash étoile. Ligue va sur plusieurs lignes. Toutes lignes, ça. Si vous pouvez mettre tout commentaire pour mettre entre ouverture, fermeture, slash étoile, il va bien effet sur ça. Ça, c'est une bonne façon de mettre des commentaires. Deuxième façon pour mettre des commentaires, dans le logiciel, dans le logiciel C#, c'est avec, si on met des commentaires sur une seule ligne, vous pouvez faire slash, ok, pour dire son commentaire. Donc, bien entendu, vous pouvez mettre ça sur les commentaires. Par exemple, là, vous pouvez mettre entrée principale. Entrée principale, c'est là que le programme a commencé. Et de la classe, par exemple, classe A, mettez qu'est-ce qui est objectif classe A. Ça, en général, l'autre va être objectif en classe ou aller l'autre commentaire qui est un peu plus sophistiqué. Toujours, nous parlons de classe déjà, donc on va côté. Dans ça, on va parler de ça déjà dans la vidéo. Donc, on va juste passer rapidement dans bon, ok, bah là, il y a une façon, ok, bah c'est là, peut-être là, ok, bah c'est ça, bah ouais, il y a une façon pour mettre commentaire sur plusieurs lignes, ce qui est une configuration spéciale pour l'ordinateur, c'est le mettre avec 3 slash. T'aimerais montrer ça, faire le mettre sur 3 slash, par exemple, là, mettre 1, 2, 3, automatiquement, il mettre un sommaire pour. Ça, une configuration spéciale, ça veut dire, le programme fini complètement, il y a un logiciel, même j'avais Java, que Java gagne, les Java Docs, même bientôt, il y a un logiciel qui est intégré dans l'environnement ça, qui est capable de créer un document pour à partir de tout commenter ça. On devrait mettre cette classe et la classe de mettre dans les nom programme auteur, par exemple. Si mettez là en anglais la plus bon et la tape pour yo même les caractères si mettez par exemple des signes at auteur les caractères at name les caractères ça pour créer document pour yo etc auteur et photo at on va mettre qui ça que pour en a fait tout comprendre objectif etc etc nous qui n'avons pas donc ça est spécial donc les appelle dans le programme on a point que moi fait utiliser 3 slash avec un commentaire de ça que les mais l'important pour toujours mettre commentaire dans le programme même si devant on va faire 1 ou 2 ans on parle dans le programme là et puis leur donner la donne et vous oublier appelle dans ça pour les faire déjà donc ça c'est pour commentaire c'est base légale là c'est commentaire ensuite nous on va parler de constant de qui j'en pour sortir ça un peu, ok, moi il y a un plan là, c'est page, je me suis posé dans page 9, vous connaissez, allez, page 9, on est là trop loin, ok, page 9, ok, donc, 9 et 10, on est déjà 12, la page 12, ok, on est là, on fait page 2 et 13, on va se dire que non, on comprend, page 15, vous connaissez, je me suis posé dans page 15, dans les espaces de nom, ok, moi expliquer ça déjà, dans les espaces de nom, mais nous sommes capables de ça un peu, je vais aller trop dans ce sens-là, mais nous sommes capables de faire alias avec nom, si nous avons plusieurs collections, par exemple, nous avons un système collection qui est une librairie, une bibliothèque,
et tout, qui gagne même fonction en dedans, pas valé trop pour l'instant. Donc, nous allons utiliser un alias, de la relais ça, call 1, puis l'autre, la modèle call 2, et puis, donc, là, tout le monde, c'est ça, je vais valé ça trop pour l'instant. Je vais aller dans constant, dans variable pour l'instant. Variable et constant. En variable, c'est quoi dans Java, ou déclarer variable même avec Java. Nous gagnons un type de base, par exemple, moi, gagne chaîne de caractère, string. On va mon nom. On va utiliser même standard dans Java. On dit ça, nous les MC, lettre, ou bien mot, chameau, ou bien, on va dire, oui, bon, ma sorte de terme en français, c'est camel case. Ça veut dire premier login, il y a un nom qui gagne deux, donc il fait mon nom, comme nous avons un espace, donc j'ai collé au premier, on commence avec minuscule, et puis tout l'autre qui suit, on met en majuscule. Donc on commence majuscule. Donc on a un string, mon nom, string, ça va faire mon prénom, etc. Nous avons un int, entier, on va dire index, par exemple. Nous gagnons un boule qui c'est vrai faux. En général, le ma fait string, on va mettre S là-dedans, comme ça, et on va commencer ça, mon nom. Mettre S, les mots S, on va changer son string. S, mon prénom. On va mettre EC, un I, ou déjà, index. Mettre B, on va dire, on dit sexe masculin. Ça, la vraie ou faux. Ok. Etc. Donc, c'est pour ça qu'on déclare, ou qu'on déclare et initialiser en même temps. Ou qu'on ouais, tout ça me déclare là, on a un S majuscule là, ça, on va faire avec S minuscule. Donc, là, ouais, pour que ça, puis devant la petite classe, on va, c'est ça, donc, S, à l'aise. Puis, pour tous les deux. Nous gagnons un pile dans le type primitif, c'est même avec Java, nous gagnons deux types de types, type primitif et nous gagnons type qui complexe, qui c'est des classes. Qui... Donc nous gagnons double, nous gagnons int, string, bool, nous gagnons fait quelques déjà, int, c'est quoi, entier. Ensuite, nous gagnons, nous construisons, nous allons aller rapide. Nous pouvons faire if, mais qu'il fait if là, mais nous pouvons faire if, mais c'est même chose avec la Java, ok, mais nous pouvons faire. Pour des variables, ça nous est le scope, en anglais, ça veut dire l'open variable, et bon, qui est le que variable ça, ou qu'a utilisé valeur, par exemple, on y a là, toute variable ça, ok, dans main, il y a appartenu à main. Si je déclare une variable sous tête main, qui est dehors de main, ça sont variables globales. On dit, un int, compteur, ma compteur. On va un dit compteur, mais initialisé par 0. Ok. Donc, porter compteur, c'est un de la classe en ligne. C'est toute sa tente de la classe là, capable d'utiliser compteur. Mais par exemple, S non, c'est un de main seulement que nous capables d'utiliser. Donc, si je fais non égal, comme si on chaîne de caractère limité entre guillemets, ok. Ok, m'a qu'à imprimer par exemple aucun autre côté que en dedans, m'a qu'à utiliser autre qu'en dedans, mais on a dit de gagner l'autre temps. On a dit de gagner l'autre il y a l'autre méthode en dedans classe. Vraiment dans classe là. Classe a commencé là. On va mettre là pour voir. Un programme commence ici. Mais moi, je fais ça avec étudiant surtout au commencement. Un programme. Ou bien classe programme. Classe. Programme. On termine ici. Ok. Donc, entre classe commencer et classe terminée, on va bien plusieurs bagages en dedans. C'est en de classe qui est donc, on gagne un premier. Yon méthode moi les statiques nous la fermer là si besoin que j'espace nous la créons la méthode statique void et nous mettez imprimer et on est pas de balai
OK. Et qu'on y a, par exemple, on est capable aller là, moi, utiliser compteur. I compteur. Le débris qui est en haut même. Égal à 45. Parce que le global, parce que le bas statique, comme le global statique pour l'instant, maman de nous ça après. Là, il est capable d'utiliser, le même pas capable d'utiliser un nom et prénom qui est dans votre main. En dans votre main, nous avons mon nom. Ok? Il va pas utiliser mon nom en dedans. Imprimer, il va apprendre les. Si je dis mon nom égal, ne pas ça mettre la donnée, la bombe est ouais, souligner, il dit erreur. Il dit mon nom n'existe pas dans le contexte courant. Ou bien, c'est pas, il n'est pas n'importe, c'est pas porté ça, donc il n'est pas well ça, appartenu à men, il n'est pas connu lui-même. Donc ça, c'est ça, nous, les variables locales, les locales à men. Comment? Même il y a aussi une déclaration variable ici, là, tout. Une variable, ok, variable ça, les locales à imprimer, c'est ça que porté un peu le dit. Donc, on va attendre moins que la littérature, un peu plus, pour nous capables de comprendre un peu plus. Donc, durée de vie en variable, c'est durée de vie que l'aurait les méthodes qui appartenaient à elle. Par exemple, dans l'exemple, nous avons un compteur, tout un programme dans le marché compteur là, parce que classe, c'est pour classe dans le lien. Ok, mais ça qui déclarer une variable qui déclarer en dans imprimé lui même il pas grandir de vie en dehors de le nom relais imprimé. Ça veut dire en dehors de le nom relais imprimé, ça veut dire que en dans main capable relais imprimé. On va dire imprimé 25, on nous dit console en write line. Write, c'est leur besoin écrit sans pas aller à la ligne. Write line, c'est leur fini écrit pour aller à la ligne. C'est différent entre write et write line. Donc, nous allons écrire, nous mettons un bagage dans une variable. Fatra, ok. I compteur, l'IWAY compteur, plus une variable. Tu vois une variable là, tout. L'IKAWALI. Donc, on y a même, si on est capable de reler, fonction, ça, sur les sortes, faut reler les en domaine. Mettre un affiché. Alors, mon gars là, on va juste imprimer. Pour les mêmes, les pas en classe, donc, on va mettre non en lien. C'est dans la même classe en lien. C'est en dans classe programme en lien. Donc, on va besoin de programme.imprimer. Parce que, afficher en lien dans l'autre classe qui est différent de classe programme, non? Qui fait moyen reler parce que, c'est ça qu'on t'a porté à l'heure dans la littérature, que, non méthode là, non classe là fait partie de lui-même tout. Donc, nous avons ça quelque part là. Donc, nous avons gestion, transport, nous avons fait partie de non. Ok, nous avons plusieurs classes en dedans qui ont namespace et nous avons juste là, les ont parti ou parler l'autre. Donc, nous avons pris des tout ça. Ok, nous avons dit non, nous avons durée de vie. Nous avons donc que nous qu'a déclaré des constantes en bas de mille façons. Ça a redonné lien, c'est y aura qui pas tellement l'impact dans la première version c'est chaud, mais nous déclaré des variables. Ok, nous on va déclarer des constantes. En attendant, tu as fait ça marcher, nous t'as imprimé variable 45, une variable. Il y a collé ensemble parce que si on va mettre collé ensemble, on va mettre un espace quelque part là, on met un autre 45 fatra. Ok, si je fais marcher, je fais F5. Et pendant que la populaire, hein, si je clique ça, la annuler compilation. Donc, cancel, ou bien annuler compilation. Ok. On va prendre un petit peu de temps pour compiler. Ok. Cancel, ça sent. Donc, vous savez. Donc, ben, ça, ok. On va succéder. Ok. Et puis, je vais mettre. Ok. Et puis, je vais faire F5, vous voyez. F5. Voilà, vous voyez. Antivirus, mais en cas de contrôler le programme, non. Je vais mettre le offre dans un petit moment. On va enlever le temps.
peut-être pour le pas déranger encore. Fermer. Vous recommencez. F5. Allez, ok. Dans l'OIT, l'obtenir en guideline, on fait Enter. 45 FACA. Ok. Donc, livre compteur, bien que le compteur n'est pas déclaré en, devant, en dedans imprimé, parce que les déclaré en dehors de toute fonction, toute méthode, nous carré fonction méthode, mais quand c'est différent, c'est très très léger, on va regarder la vraie. Donc, pour carré les, donc, main, calibre les e-compteur, imprimer carré les e-compteur. Mais, main, pas calibre les variables, que les une variable là, parce qu'il y appartenait à imprimer. C'était que ça fait sens pour nous, même si on doit imprimer, pas carré les mon nom, mon prénom, parce que je pars pour les. Il va dans scoble, il va dans portel. Ok? Constant, on va faire constant avec un mot ça. Je vais vous donner les deux tout à l'heure, mais mot constant, le disons constant. Ça veut dire, comme si nous avons dit son pléonasme, on fait comme si nous disons son variable qui n'a pas varié. Et ça, il y a un constant. Ok? Donc, le déclarer en constant, il est obligatoire pour balayer une valeur initiale, pour initialiser, faire l'égal en valeur, parce que puisque il n'a pas changé, il faut avoir une valeur d'abord. Donc, on est capable de faire ça pour quel que soit. Un type primitif, yo, capable de déclarer, yo, yon, constant. Donc, pour l'instant, c'est là que, parce que la vérité, c'est constant, au opérateur arithmétique, yo, faut non, ouais, avant de terminer. Okay? Ça fait du bon plan. Non, pardon, opérateur arithmétique. Donc, opérateur arithmétique, yo, non, soit, ouais, yon là, bien que, bah, ça, et bah, opérateur arithmétique, vraiment, bien que c'est ça que le joueur, là, que je joue, mais là, le joueur, ça nous réunit, concaténation, en opérateur de concaténation, pour le deux ensemble. Mais, normalement, pour opérateur arithmétique, si nous gagnons plusieurs variables, nous gagnons un compteur là déjà, nous gagnons un mettre dans l'ordre index là, bien que nous gagnons un nom maintenant, nous mettons dans l'ordre d'envoi. Ok? Quand nous sommes capables d'imprimer console, write line, nous avons imprimé avec ma fait opération arithmétique. Là, nous gagnons normalement console write line. C'est chaîne de caractères string que li écrit mais la conversion fait pour nous automatiquement même le comparable mais n'a pas les deux conversions automatiques après par exemple on mettait i compteur plus ça c'est addition plus i index OK voilà copier et paste faire plusieurs autres faire moins on fait multiplier par fait diviser par, fait l'autre toujours, fait modulo, donc c'est une compte modulo, c'est bon, reste division, ok, donc on va brancher ça, ça c'est addition, soustraction, multiplication, division, donc moins runner, enter, et donc il fait toute l'opération que je vais faire là, ok, nous gagne 101, c'est 45 plus 56, premier 101, moins 45 moins 56, 11. 45 multiplié par 56, ça c'est ça. Ok, Libanon, 2520. Ensuite, nous allons diviser 45 plus petit que 56, nous allons diviser parce que c'est entier qui est, Libanon reste. Si nous avons besoin reste, nous allons utiliser float ou bien double comme type. Et puis nous faisons ça à dos. Modulo, nous fait 45 divisé par 56. Donc, il est banon. Modulo, c'est 45 encore parce que 45 plus petit. Si nous voulons changer un peu, si nous faisons index de référence pour changer place, ça va montrer non mieux qui j'en, qui au marché avec l'autre. Nous changer ça. Nous allons changer la position. Et puis maintenant, nous faisons F5 pour les run encore. Ok. Et puis, là, on a pointé le Libanon 11, là, ça. Donc, on va faire 56 qu'on y a, pour diviser par 45, on va rester là, c'est 11. OK? Donc, c'est là qu'on a prêté pour l'instant.